Bonjour YouTube, ici la meilleure, la seule, l'unique des marmottes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est là pour un deck de Karazhan, la deuxième aile, bien sûr. Avec du paladin, Barnes, Murloc, Renojack. Non, pas de Renojack, c'est juste du paladin. Murloc avec Barnes, la nouvelle légendaire de l'aile. Alors, il y a quoi dans le jeu? Du heal, de la draw. La gestion de créatures avec l'hospice. De toute façon, tous les classiques de gestion de créatures du paladin contrôle sont là. Hospice, égalité. Avec le pyromancien ainsi que la consécration. On a un Limon des Maracides pour gérer les armes. Il y en a beaucoup de la méta, beaucoup de warriors et beaucoup de shamans bien sûr. Pyromancien j'en ai parlé. Acolyte pour avoir différentes cartes de drone. On a Amasseur, on a Acolyte, Eldrick Azur. Chef de guerre Murloc qui fonctionne bien avec les petits Murlocs. C'est la combo du jeu. Tu fais des premiers Murlocs qui mettent 12 points de dégâts je crois. Les deux pour la première vague du Murloc. La deuxième OTK forcément. Derrière, on a un petit plan garde pédale d'or pour gérer, gardien de la manne aussi, champion de roi argent pareil. On a Barnes qui est très très fort avec ce jeu parce que tu rajoutes un Murloc, ça accélère le jeu. Tu rajoutes Sylvanas, c'est cool, Ragnaros, c'est cool, Ragnaros, c'est cool, Tyrion, c'est cool. En gros, t'as la moitié des cartes du jeu, c'est méga cool. Même si tu fais un amateur du butin ou un Acolyte de la souffrance, bah, ça te permet de piocher donc c'est pas perdu. Drake Azur pour avoir encore un peu de draw et puis faire un petit peu une blague avec la consécration à un moment donné. Cavalier en ivoire, ça te rend des points de vie, ça peut te permettre de chercher une troisième égalité ou une troisième consécration ou une impôt des mains. Et après derrière, ben, Sylvanas, Ragnaros, etc. pour avoir un plan bis autre que le Murloc. Si vous manquez des cartes, ce n'est pas grave. On va dire tout ce qui est là, les 4 cartes qui sont là, ne sont pas du tout obligatoires. Tu peux mettre des impôts des moins, Eadric le Pur, Isera, Rafam, Ragnaros, ce que vous voulez. L'important, c'est de mettre du ton pour gagner les games. En tout cas, on va tester ça tout de suite en ladder, dans la party. C'est parti pour la partie, un paladin, la petite déclisseur sur la gauche, et en avant. Bien. Adversaire convenable. Parfait. Malfurion qui se loue Nick Force. Donc on a un hospice, funeste, consacre et chef de guerre. Consécration est pas ouf, chef de guerre 65 murlocs, on les veut. Plus un 3-3 pour 3, puis hospice funeste, bah, double hospice funeste. Au moins on les aura pas sur Barnes. Et ça va permettre, dès qu'on va poser une créature, de bloquer deux tours de suite le board. Et pourquoi pas faire peut-être même du card advantage. On va voir. En tout cas, c'est pas une main intéressante, une main potentielle. C'est pas la meilleure main, parce que peut-être une championne en rajoutant la place d'hospice funeste aurait été mieux. Pourquoi pas un acolyte, mais ça reste une main tout à fait décente. En mulligan d'ailleurs, on essaie d'avoir une championne en vrai argent, une petite créature aux alentours, un hospice, c'est une créature limite acolyte ou draw. Mais après, si on a des murlocs, il y a tellement de possibilités d'avoir des cartes super lourdes que c'est moins bien. Bon. Tadam, tadam. Alors. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ah, ça réfléchit beaucoup chez Nick Force pour ce premier tour. Peut-être que le mec peut faire enseignant T1, il n'ose pas. Après, c'est vrai que je hospice et du coup, c'est pas mal pour moi. Imaginez, bim, bla, boum, enseignant T1, pièce d'innervation, MDR, et je le recte. Hashtag le bonheur. Ou un Fandral que je pourrais recte. Allez, c'est parti, Idol Corbeau. Ok, tout ça pour ça, c'est. Tranquille. C'est petit, monsieur. C'est très 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 petit. Voilà, donc il a le nouveau dos de carte incroyable. Donc on fait un token. De toute façon, on joue pas nos hospices contre druide tant qu'on n'a pas de créature en face. Le but étant de gérer des monstres. Aucune croissance. On va mettre notre chef de guerre Murloc. Oh, deuxième chef de guerre Murloc, ça peut être intéressant ça parce qu'il est pas. Il va peut-être ne pas vouloir le trade ou vouloir genre poser une enseignante ou un truc comme ça en disant ça peut passer. Et là d'un seul coup, bim, chef de guerre Murloc, il est rect. On lui défonce ça. 3-5. Voir ce qu'il va nous jouer. Voir s'il va oser jouer quelque chose. Après peut-être va peut-être vouloir faire une colère sur le chef de guerre, entre autres. Donc on verra bien. Gardien d'Uldaman, on préfère la conserver pour les anciens de la guerre, notamment car le deck en face joue ancien de la guerre de coup de bat assez tendu. Allez, c'est parti. Nous avons une colère. Il y a pouvoir héroïque. Un tour assez quelconque. Donc on va reposer le deuxième chef de guerre, Marais Murloc. Pour l'instant. Allez. Ok, deuxième égalité. Ça pourrait être intéressant plus tard. Pour gérer deux fois le board. Mais pour l'instant, ben. Départ assez quelconque. Très 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 quelconque même. Concentrez-vous.
Alors on se concentre, pièce. Ah, je suis en colère. Ça c'est relou, parce que l'hospice funeste devient bien moins intéressant ici sur un board comme celui-ci. Elle fait la pièce en plus, après elle a déjà fait double colère, du coup ça forcera à jouer racine vivante. Faut quand même le faire. En fait quoi qu'il se passe, il va tanker 7 points de vie, 7 points de dégâts plutôt que 7 points de vie. Quoi qu'il se passe, il y aura forcément une AOE, un spell, quelque chose pour devoir le détruire. Après peut-être qu'on va se prendre le puissance du fauve, le plus 1, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il nous faut un pyromancien ou une consécration d'aller les égalités. C'est quand même 4 cartes dans notre jeu, il y a peut-être moyen de les piocher. On va voir comment il réfléchit en face, comment il joue. Il prend son temps, donc on sent, voilà, il est à la cool, il prend son temps, il n'est pas pressé. Il prend son temps, il réfléchit, il est cool, je disais. Ah, ok, balayage. Je suis là pour apprendre. Donc sur la 07, je récupère Ranieros Lightlord ou Innervation. Aïe 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 aïe. Je suis là pour apprendre. Plus un, c'est sûr. Ok, gain du bourbier. Bon, bah la game va jouer sur le prochain tour. J'ai une chance sur 5 de piocher ce qu'il me faut. Que ce soit l'égalité ou la consécration. Ni l'un ni l'autre. Dommage, on va rééconomiser des points de vie en espérant ne pas mourir sur un rugissement. Sachant que sur rugissement il a 16, ouais sur rugissement on est mort. 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28. Dommage. Bah on peut pas faire grand chose là-dessus hein. Pas piocher ce qu'il fallait, Allez, on a posé la colline vraiment pour piocher une carte. En mode au secours, voilà. Donc on récupère Sylvanas, toujours pas ce qu'il nous faut hein. Voilà, donc on va prendre pas si cher que ça ce tour-ci. Il est un peu limité. Je le savais. Un petit coup de papate. Donne-moi une carte jouable s'il te plaît. Ah bah voilà. Pyro, égalité et un petit token. Ouf. Sauvé. Voilà. On n'est pas mort, on vit encore. Et on a forcé à gérer une enseignante pour l'instant. Par contre, il reste 2 Drake Azur, une enseignante. Il reste pas mal de cartes. Je pensais qu'il n'y a pas de puissance du fauve. On peut avoir notamment un ancien de la guerre qui peut arriver. Idole Corbeau numéro 2. Je ne sais pas s'utiliser son spell du premier Idole Corbeau. Je ne me rappelle plus bien. On va voir. Ah, une ancienne de la guerre. Ouais. Ça passe assez sereinement, je suis pas obligé de faire égalité ni tout ça. On a tranquillement Sylvanas token, c'est logiquement suffisant. Il aime pas du tout Sylvanas, le jeu druide, là du coup il me donnerait la 5-10. Donc on va récupérer une 5-4 parce qu'il devrait trade une 1-1. Je ne suis pas inquiet, il a pas de sap, il a pas de silence. Sylvanas devrait faire le taf ici. Elle aime le silence. Vrai casure, pourquoi pas. Ego face. Ok. Et balayage. Quelle que soit la carte, je vais après si je... Allez, comme la chatte. Ah mais non. Oui. Je veux dire, quelle que soit la créature que je pioche, c'est bien. Mais finalement, si je pioche lui plutôt que l'autre, c'est encore mieux. Allez, on met Tyrion dans la continuité. Voilà. La partie, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est jouée pour l'instant sur ce pyromancien. Sans ça, j'étais mort. Là, du coup, je me retrouve avec une 5-6, une 6-6 contre Chipette Walou en face. Nada. Rien du tout. Donc Nick Force, c'est peut-être moi qui vais le... Nickel, voilà, c'est la blague du jour, hein. J'ai pas pu m'en empêcher, elle était nulle, mais vous connaissez, j'aime bien les blagues pourries. Ok, Scénarius. La consacre, elle est parfaite, elle se met bien. Il y a le value trade qui se prend ici, pour un bouclier divin, c'est gratuit. On attaque et on fait le petit token, il va vite devoir jouer Yogg-Saron Scylla. Aldemort aussi Scylla, mais je pense pas qu'il joue Aldemort. Donc on devrait vite avoir Yogg-Saron, qui est un petit peu là sur ce bord de la dernière grosse menace qui peut me faire perdre. Je m'entre guillemets parce que Yogg-Saron des fois bah il fait du bullshit. Il peut tuer soi-même. Allez Yogg-Saron, non pas du tout, nous riche. On se dit on peut encore tempo, on est à la cool. C'est pas faux. Il a pioché pas mal, Son premier nous riche. Il y a peut-être une charpie qui va pop sur la 5-6. Innervation. Deuxième mention de la guerre. Pas de problème pour ça non plus. Nous avons la gardienne d'Uldaman. Que je préfère regarder peu d'albums. Voilà, donc on continue avec le full face. On a encore un garde parce que tout simplement elle met une meilleure présence sur le board
Et ça permet de ne prendre, de mettre encore mettre des points de dégâts de faille. Si j'avais joué garde pédale d'or, j'aurais dû taper avec les deux, j'aurais mis qu'un point. Là j'ai mis 6, c'est quand même plus sympathique. Qu'est-ce qu'il est beau, Ford Ring, Tyrion Ford Ring, qu'on revoit dans World of Warcraft, d'ailleurs dans Légion. Va le revoir. Que faire? Allez. Une game assez longue au final, elle a pas duré très très longtemps, mais l'adversaire qui, vu qu'il est dans la rope, vu qu'il est plutôt dans les cordes, pour reprendre une expression de boxe, ben, ça met du temps. Il lui reste un balayage, il a fait deux colères, il lui a fait un balayage, il lui reste un deuxième si je dis pas d'ânerie. Après, son balayage là n'est pas très cancérigène. Ah, voilà le deuxième balayage, avec un petit coup de racine. Ok, un petit coup de racine, c'est ça. J'ai limite envie de... Non, on va passer à 11, on joue contre druide, faut pas s'inquiéter comme ça. On passe à 11 finalement, on joue Ragnaros, on se soigne. Quoi que soit une Ragnaros, c'est bien ici. On peut pas mettre 11 à distance. Voilà, on a une 5-10, c'est très bien, très solide, et c'est très relou pour Yogg-Saron pour la clean, cette 5-10, si jamais il a Yogg-Saron, parce qu'en fait, il y a deux spells, Néant Distordu et Malédiction, et basta. Sachant qu'en plus, là, rien qu'avec l'arme, en 3 tours, on a le létal. Donc, dans tous les cas, on est bien, non d'une marmotte en plastique. Onyxia, what? On va quand même jouer Barnes. Nous avions le cavalier de la tour d'ivoire, c'est ça? Je ne sais plus le nom de la carte à son tour. Première victoire, premier match, première victoire. Je pense que druide, en fait, c'est un match-up. Si t'arrives vraiment à gérer leur lit assez. En fait, si t'as égalité pyromancien, j'ai même pas besoin d'utiliser la deuxième. Ça a l'air vraiment de match-up facile. Parce qu'en fait, une fois que t'as géré sa première grosse vague d'enseignante et tout, bah, cela pas la deuxième. Gros monstre et gros monstre et gros monstre, ça le fait bien. Oh la vache, un prêtre! Prêtre qui revient. Alors, je ne pensais jamais dire ça. On a une sorte de prêtre résurrection qui revient en ce moment. Qui est pas mal joué du tout. On a le guerrier branchi et le chef de guerre Murloc. De vous rencontrer. On dit heureux parce qu'on est Manero, qu'on a déjà tous les murlocs de ta vie, on a un petit Drake Azur. J'ai gardé les deux murlocs parce que contre prêtre, il y a une forte probabilité que le guerrier branché qui arrive T2 puisse être intéressant sur le chef de guerre Marie Murloc du T3. En fait, en gros là, c'est fort probable qu'il va me jouer une. Je vais attaquer quand même. Une carte assez faible. Et le fait de jouer le chef de guerre murloc tout de suite, ben, ça me permettra de clean le T2, T3 qu'il a posé maintenant. Et du coup d'être sûr que le chef de guerre Murloc ne se fasse pas ensevelir plus tard. Car en fait c'est un des plans du prêtre. Dans ce match-up, c'est bien pensé qu'il peut ensevelir vos chefs de guerre Murloc, ce qui est toujours très gênant. Il hésite limite à... Ok, soigne juste, tu as raison. Il faut savoir être poli, madame, à la vie. Allez, moi je continue à mettre une petite pression, monsieur. À grand coup de Murloc 4-2. C'est la sortie Turbo Murloc. Le mec doit dire what the fuck, contre quoi je joue. Bon, on a déjà été consacré, il faudra bien l'utiliser au bon moment pour bien tempo. Voilà, il fait le mot de l'ombre douleur là-dessus. Donc, il est mort, lui, quoi qu'il soit, il pourra revenir à tous les murlocs de ta vie. En moi réuni, ton meilleur top deck. Allez, on pose tranquillement nos créatures qui ne servent à rien, hein, le limon de Marie Acide. J'ai un petit doute qu'il ait des armes dans le priest. Si quand Medivh sortira, pourquoi pas? Il pourra avoir une arme. C'est ça, Medivh sortira, mais là pour l'instant, nada. Ok, on va trade les créatures qui n'ont qu'un point de vie au cas où il joue pyromancien. Ce qui est loin d'être déconnant. Et on pioche à la fin du tour car c'est le fameux coup de la marmotte. Ok, encore un murloc qui charge, c'est intéressant. Donc là, dès le tour 10, on aura l'équivalent de 8 en charge en murloc. C'est carrément cool. Il a 9 cartes en main, dont une pièce et une carte que... Va te faire mettre. Donc en fait, fallait garder le limon en main, mais je ne le savais pas. Ok. Yahoo, j'ai limite il peut se ensevelir lui. Bon, on va garder ça, ça attaque en charge. Putain, je me viens de me prendre un somme de l'univers là.
la partie commence. Forcément, il va réanimer l'ombre mouvante. Il n'y a que ça qui est. Il y a quelqu'un qui est mort. Il lui reste 2 manas s'il utilise la pièce. On va voir ce qu'il va en faire. Ok. Plutôt une sortie intéressante, va-t-on dire pudiquement. Pour ne pas dire qu'il a fait une sortie de ouf et qu'il me vénère. Allez, c'est parti. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de cartes. Limite, je flippe, hein. Vraiment. On peut me voler n'importe quelle carte de classe ou n'importe quelle carte de mon jeu. Faut devoir regarder. Ah, les cartes du tech. Oh my god. Imaginez que le mec il vient de me piquer Tyrion et Rhaenyros de Lumière. Oh là là, je vais la perdre. Oh, je sens que je vais la perdre. Mais en vrai, ce prêtre résurrection, il est vraiment pas si mauvais, je trouve. Ok, c'est pas ouf. Et pourtant, je pensais jamais dire ça de ma vie d'un prêtre. Mais comme quoi, tous les choses changent. Et les classes mauvaises un jour peuvent devenir correctes le lendemain. Allez, on traite les deux merdouilles, on va tenter de faire Rhaenyros au prochain tour. Voir après si on fera tout de suite le tour des murlocs ou si on attend. Le truc c'est que la game peut durer assez longtemps, on peut se permettre d'attendre. Ça c'est pas mal. Je veux dire, ça sert à rien de vouloir le tuer plus vite que la musique. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Tu me casses le fion. Nanana le fion. Nanana le fion. Pardon. De toute façon, je passe 50 000 moves à faire. J'espère juste qu'il joue pas Enzot. Je sais pas si cette version joue Enzot. Je vous avoue que je connais pas encore très très bien le jeu. On va voir. Au moins, il me reste une égalité. Mais j'ai dû utiliser de consécration. Sylvanas toute seule est vraiment pénible. Après, on a peut-être Sylvanas gardienne. On a peut-être un move sur une grosse carte. On va voir. La partie commence. Moi, elle en a plus de lui. Positif, je vous ai dit. On a tous les murlocs de la vie deux fois. Alors, si on attaque, ça fait combien? Le premier, mais combien? Réfléchissons. Ouais, par contre, il y a lui à tuer aussi. Imaginons. Tous les murlocs de la vie numéro 1. Il met combien? Il y a un murloc qui tape à 6. Le deuxième, il tape à 10. D'accord. Donc, on peut avoir un plan de jeu intéressant. J'ai envie d'en faire un. Après le deuxième, je pourrais attendre le deuxième murloc. Ça fera 6, ça fera 9, c'est bon, ça tue. Okay. Ah merde, c'était dans l'ordre là que j'avais, il me manque un autre. Intéressant aussi, ceci dit. Alors, ma spell à jouer. Le prochain, ça fera combien? C'est-à-dire qu'il y en aura 2 comme ça et 4 comme ça. Ils seront 6, 6, 12, 18, 24. 24, ça fera. Toujours intéressant à dire 24. Allez, à voir, je sais pas. C'est vraiment pas dit qu'il arrive à se remonter à 24. Je vais le laisser jouer. Faut quand même qu'il joue ma spell. On va bien voir. Ah, faut qu'il joue moins de spells. Il joue 2 spells, il est remonté assez haut. Peut-être pas 2 spells à jouer. Peut-être qu'un seul. Ah, il aura 2 spells à jouer. Dommage. Bon, on va devoir attendre pour le létal. Oh la PLS. La bonne vieille PLS bien dégueulasse. Oh dommage. Et se soigne encore. Ah s'il traite pas tout, j'ai pas avoir un kill. Je crois qu'il traite pas tout en vrai. Que fait-il? Je comprends pas le move pour l'instant, je comprends pas le move, on va voir. Je dois choisir vite. Là c'est gagné. On traite ça là. Je vais avoir 4 murlocs qui reviennent. 2 comme ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais pas péter les plombs, c'est bon. Ça fait 30. Une erreur. Mais oui, il est pas mort. Et donc ça en fait un en plus. Oh mon dieu.
Oh la nullité quoi, mais j'étais persuadé en plus qu'il était mort, mais genre à 1000% quoi, vous m'auriez demandé, c'est bon je l'ai tué GG, eh bien pas du tout. MDR, le misplay. Le misplay du gros noob. Ah mais bien sûr il va se soigner, il a raison. Faut que j'arrive à en chercher un troisième sur le cavalier d'ivoire en fait. C'est ma dernière chance, c'est de chatter comme un gros porc. Un bon plan de jeu. En vrai c'était pas mérité, je chatte comme un gros porc. Bon on va quand même le tenter. Faut quand même avoir des ensevelir, tout ça tout ça. Oh mais le plan de jeu, mais comme j'ai fait de la merde, j'étais sûr de moi, j'étais sûr. J'étais sûr que ça passait. Allez Sylvana, génial. Game d'Arcane, génial, ça joue tout ça, c'est vrai, j'avais zappé. Il en a de la bonne, il en mérite, donc ça on prend le trade. Mais le plan horrible là où je laisse à 1 alors qu'en fait après non je le réinvoquais. Ben non je suis trop con. Je le réinvoquais, je le tuais pas quand même, j'en invoque que 4. Bah non en fait j'ai pas mis l'étal. Parce que je le sacrifiais, j'en invoquais 4. Comment j'ai fait de la merde à ce point? C'est chaud. Comment j'ai voulu aller aussi vite alors que ça faisait tout simplement que je temporise. Vous savez des fois, je ne comprends pas Hearthstone. Il suffisait que j'attende. Allez, pyromancien. Égalité. J'ai aucune idée si ce jeu joue ensevelir ou pas. Je ne vous le cache pas, je le découvre. Donc avec un peu de chance, hashtag, il n'y a pas d'ensevelir. Ou alors, il y a ensevelir et je préfère que Sylvanas les prenne plutôt que Tyrion ou Morgannieros. Oh Dieu, il suffisait tellement que j'attende. Il n'y a pas d'ensevelir, tant mieux. Infirmier. Mais fest, un infirmier. Allez, deuxième hospice. On fait ça tranquillement. Je sais pas ce que je veux qui tue, mais je veux qu'il tue. Okay, ça tue la 4. C'est toujours ça de prix. Après, il nous reste encore un Ragnaros derrière et on peut espérer faire quelque chose. Ah, Enzot. Ah, il joue donc bien Enzot. Un choix audacieux, je tenais à le préciser. Qui fait que j'ai perdu, je pense. Ce soir, découvrez le récit de terreur indice. Le jeu qui me troll là, l'a fini. Allez, il a gagné, félicitations à lui. J'ai fait de la merde, voilà, je fais de la merde. Je pensais avoir, être sûr d'avoir le létal. J'aurais tranquillement tendu pour clean une fois le board avec le premier, d'attendre de piocher le deuxième pour faire égalité tout ça. Tant pis, pour moi, GG. GG mort. En tout cas, ce deck prêtre que j'ai trouvé très intéressant. Et peut-être que prêtre ne sera bientôt plus la chaussette de la méta. Allez, on joue contre un chasseur. Care Micro. Donc, en tout cas, voilà. Contre prêtre, ne jouez pas comme moi. Attendez, tout simplement. Prenez votre temps. Ça se passera mieux. On enlève tout ça parce que c'est des cartes un peu light. Pour l'instant, on ne le veut pas tout de suite. On prévoit avoir un hospice, un acolyte. Un pyro, pas un pyro, un espèce, un acolyte, une drone, des trucs comme ça. Un chef de guerre. Un chef de guerre, une chauve-souris. Le fameux chef de guerre chauve-souris Murloc. Allez, on prend un élect droit ou grosse sortie en face. Ah, en plus récupérer la grande crinière, c'est vraiment pas de bol parce que j'ai pas mal de T6 et plus. Il va falloir envoyer du lourd quelque part pour que je m'en sorte, mais pour l'instant... C'est pas ça, allez, on va faire la pièce, on va conserver la championne en vrai argent pour le prochain tour. Bon. Oh. On pourrait vouloir faire pièce. Non, je vais quand même le conserver pour plus tard. Je veux dire, il y avait peut-être un plan pièce. Pièce pyro. Qui pouvait se faire. Mais on va plutôt poser l'arme maintenant.
voir si on peut jouer une guérison ou une égayité plus tard, on aura vraiment besoin de ce pyro. À l'espérer qu'il soit pas trop curvé, pas trop violent. Maintenant. Ok, le limon, ah, il est violent, il est curvé. Pas grand chose à faire. Déjà, il joue le limon dans Hunter. Pas grand chose à faire ici. On s'est fait rouler dessus et basta. Ah bah voilà, je parlais de l'égalité. Ça sera peut-être utile plus tard. On pose la 3-3 pour tenter de faire un trade. Voir comment il réagit à ça. Enfin, le trade plus tard, en fait, il risque de pas avoir lieu parce que c'est quand même bien agressif en face. On est déjà plus qu'à 14, on n'a pas de heal. Je sais pas ce qu'on va attendre, mais on ne va pas l'attendre longtemps. Ouais. Ok, chauve-souris. Mettre rien. En plus, on sait qu'il a grande crinière au prochain tour. C'est pas comme si c'était genre. On va essayer de tanker. Merde, j'ai plus d'armes. Je vais zapper. J'ai plus d'armes. À cause du limon. Ouais, parce que le limon s'est sacrifié derrière. On va en faire une dernière, hein. On va en faire une. Elle ne comptait pas cette game. De toute façon, elle a duré 5 tours. Elle était pas intéressante. On s'est fait rouler le tour. On va en faire une dernière. On va en faire une dernière pour cette vidéo. Non, mais dans tous les cas, j'étais mort en fait. Même si j'avais encore l'arme, j'aurais trait dedans. Je passais à 12. Enfin, il avait 5 points. Enfin, il avait 5, 2, 6, 8 points de dégâts avec le pouvoir héroïque. J'étais cuit. Quoi qu'il se passe, on joue contre Just Power. Donc, j'ai la championne intéressante contre démoniste, consécration intéressante également. Je vais relancer ces deux cartes pour essayer d'avoir des murlocs ou des cartes de draw. On a des cartes un peu plus lourdes. Barnes également aurait été fort sympathique, un hospice aussi. On va dire bonjour. De vous rencontrer. Faites-le sortir. Faites-le sortir de ma terre. Ça joue bien le deck qu'on pense. C'est-à-dire un deck agressif. Le Zo. Ok, là t'espères que la pas l'un 3. Je vais te dire, t'espères des trucs, puis après t'es triste. Poser notre 1-1, voir si elle peut trade. Peut-être pièce consécration pour clean un peu le board. Espérant que les pas la 2-4 tout de suite. Un loup. Ok. Pièce consécration, hein, y a pas de. Il n'y a pas à tortiller du fion ici, on n'a pas le choix. Au lieu de balancer la consacre, on va finir ensuite le monstre. J'ai eu de la réussite à me poser une 2-4 ou une 1-5, la game était close. Quasiment. Oui, fermé. Donc on a notre championne, elle va pouvoir traiter deux créatures. Voir si on a un nain. Qu'est-ce qu'on a? Un nain. Bon, le nain prend la championne. C'est son rôle dans la vie. On aura également une 4 de charge au tour 5. On enchaînera qu'il facile va dans ce tour 6. On est loin d'avoir gagné. On va dire que la partie est un petit peu équilibrée. On a des chances de rester en vie. Pour peu, genre qu'il a un tour un petit peu faible maintenant. Genre avec un draw, une 4-2, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. L'heure. Vous achetez. Quoi, vous vendez. Allez, espérons qu'il n'ait pas une trop bonne créature. Même si tu ne possèdes pas. C'est pas trop la PLS. On a 14, on va prendre déjà un value trade, on n'est pas pressé. Faut espérer survivre jusqu'à Tyrion, peut-être avoir la guérison interdite ou alors le cavalier serait vraiment utile pour le prochain tour. Après je pense pas qu'il puisse me mettre 11 avec deux cartes, hein. Ça n'existe pas trop. Un Argus plutôt solide. Et la carte à 1 qu'il a récupéré. Ah non, c'était le même mutant qu'elle a déjà joué, mais elle coule pas. Et ça full face. Sans aucun respect, je te fous le face. Ok. Il a 3 points de dégâts, on a Tyrion dans 2 tours. Il y a vraiment moyen qu'on lui clean cette fois-ci tout son board au prochain. On a double draw. Allez, on va bien tenir cette fois-ci. Allez, hydro, voilà, moins de possibilités de létal. Ouais. Oh, garde pédale d'or. Allez, on va trouver une carte, allez, un peu de luck peut-être. Hospice, c'est cool si on survit à ce tour. Ce qui n'est pas dit. Je pense qu'il a une puissance accablante personnellement. On va donc faire tout ça, espérer. Allez, hashtag croisons les doigts, hashtag believe.
S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, Joss Power, ne me la mets pas. Il l'a pas. Non, pas face, pas face, pas face, pas face. Nice. On peut poser Tyrion sur un bord de vide. Allez, allez Titi, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Maintenant par contre faut piocher Ragnaros de lumière, hein, tout de suite. Cache ma cache, Ragnaros de lumière, bim bam boum. Osef. Osef, c'est que des trades, hein, Osef. Faut pas prendre des value trades là-dessus. Oh le limon, incroyable, pas du tout. 13, on va tenter ça. On va plutôt mettre ça. C'est d'avoir du heal. Ah l'acolyte incroyable. Pas du tout. On met à 13. 10, 13, ça c'est setup létal. Ragnaros aussi, vous allez me dire. Alors, on setup létal comme ça. Allez, ça peut encore le faire. On y croit. Allez, il a que des vieilles créatures toutes pourries. Il a des vieilles tentacules. Il nous fait le remix de Bible Black. Ok, draw. C'est comme si j'étais à 12 en fait. Voilà, là je suis à 11. Voilà, là ça passe toujours pas. Là ça passe toujours pas. Ça passe pas. C'est bon, on a l'étal. J'ai eu peur, allez. Égalité. Comme ça. 4. 9. Voilà. Ouf, quand même. J'ai eu peur. On s'arrête à 1-2-2 qui aurait pu peut-être finir en 3-1. Ce n'est mieux joué contre le prêtre. En tout cas, dès qu'il y a du potentiel. Par contre, peut-être une version un petit peu retravaillée, peut-être enlever le Drake Azur, mettre un deuxième cavalier, essayer de faire des choses, plus de draw, moins de draw, à voir. En tout cas, un premier jet très intéressant, je pense un deck qui va vraiment se positionner dans la méta. Je vous fais des gros bisous, bonne chance YouTube.